Hello everyone and welcome back to the Perfect French with Dylan. Today we are going to see 10 different verbs that we use to speak, to express ourselves. Recently I did a short video about the verb dire and I got a lot of comments about, oh what about this one, what about this one, so I thought, why not make a whole video about it? And do you know what is great about my long video lessons? Is that you get a free PDF of the lesson. So you can go and get it now. If you are my newsletter, it's already in your inbox. Also, this is the last long lesson before we start the vocabulary course next Wednesday, March 2nd. And after chat, today, like I said, we are going to see 10 different verbs. Each verb has its own little chapter in the video. You can pass, go to one, come back to the other one, it's up to you. Or you can also sit through the whole video, because it really helped me. And don't forget to like this video, because it really helps me. Some of these verbs are going to be followed by the preposition à, and, or, de. Let's review very quickly the different forms that the prepositions can take. If you want to know more about them, I have full videos about them. I will link them in the description box. So à can be à. It can be au, it can be à la, it can be à l'apostrophe, or it can be au, à, u, x. De can be de, or it can be du, or it can be de la, or it can be de l'apostrophe, or it can be de. Easy. If you follow my conjugation course, this video is going to remind you of it. You will see why in a second. The first verb we are going to see today is the verb parler. Parler. The conjugation of the verb parler is very easy. It's a verb ending in er, verb of the first group, as well as most of the verb that we are going to see today, actually. Most of them end in er. Parler means to talk, to speak. There are other translations, but I kept just the most common ones. Not going to give you 10 translations for each one. And we are going to use it with parler de quelque chose avec quelqu'un. I told you I was going to remind you of the conjugation course. Parler de quelque chose, so QQCH, quelque chose, something, avec quelqu'un. QQUN, quelqu'un, someone, somebody. Just remember those two because they're going to come back in this video a lot. Let's see an example. We have, on a parlé du beau temps avec les voisins. On a parlé du beau temps avec les voisins. On a parlé de avec. Ok? We can also say parler de quelque chose à quelqu'un. À quelqu'un. Avec quelqu'un, with somebody, is kind of a two-way, it's a two-way conversation. Parler de quelque chose à quelqu'un, it's more of a one-way. Ok? J'ai parlé du problème à mon professeur, mais il ne m'a pas aidé. J'ai parlé du problème à mon professeur, mais il ne m'a pas aidé. Parler de quelque chose à quelqu'un. And of course, we can also use it to talk about languages. Vous parlez français. Vous parlez français. You speak French. No article after, it's better, it's more common like that. Next one, dire. Dire is the one I told you that I made a video about it and everybody was like, what about this one, about this one? So yes, dire is the verb that made this video happen. To say, to tell. And we can use it as dire à quelqu'un de faire quelque chose. Dire à quelqu'un de faire quelque chose. Of course, there are many ways to use those verbs with different prepositions, different type of sentences. I just don't have time to give them all to you. That will be a very long video. So I choose two or three examples for each one. And for this one, we have dire à quelqu'un de faire quelque chose. Dire à quelqu'un de faire quelque chose. Elle lui a dit de faire attention. Elle lui a dit de faire attention. Also, apologize for the gray on gray. I know I'm kind of melting into the wall, but that's okay. Next one.
Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Up at the end. Qu'est-ce que tu as dit? What did you say? Qu'est-ce que tu as dit? Discuter. Discuter is very close to the one in English to discuss. So to talk, to discuss. Discuter de quelque chose avec quelqu'un. This one, this verb is going to use in a two-way conversation, okay? It's not like parler à. This is different. Discuter is to have a conversation. So it's both. So avec. Le policier discute de l'accident avec les témoins. Le policier discute de l'accident avec les témoins. Je vais en discuter avec elle plus tard. Je vais en discuter avec elle plus tard. So here we don't have anything with the preposition de, but the pronoun en replaces the group of words introduced by the preposition de. Do you remember? Je vais en discuter avec elle plus tard. Raconter. Raconter, tutelle. We use raconter mostly for stories, jokes, etc. It's a one way. Okay, so we are going to say raconter quelque chose. We don't have a preposition here between. Raconter quelque chose à quelqu'un. Elle a raconté cette histoire à son mari quand elle est rentrée du travail. Elle a raconté cette histoire à son mari quand elle est rentrée du travail. Il m'a raconté une blague, mais je n'ai pas compris. Il m'a raconté une blague, mais je n'ai pas compris. Expliquer. Expliquer, tu explain. It's used the exact same word in English, so this one is fairly easy. Expliquer quelque chose à quelqu'un. L'employé explique à l'apprenti comment utiliser l'imprimante. L'employé explique à l'apprenti comment utiliser l'imprimante. On a essayé d'expliquer les règles du jeu, mais c'était difficile. On a essayé d'expliquer les règles du jeu, mais c'était difficile. I told you it's the exact same way as in English. Crier. Crier. To yell, to shoot. To shoot, to yell. Crier quelque chose à quelqu'un. Quelque chose à quelqu'un. We don't have a preposition after crier. Crier quelque chose à quelqu'un. This example. J'ai entendu un homme crier quelque chose à quelqu'un, mais je ne sais pas quoi. J'ai entendu un homme crier quelque chose à quelqu'un, mais je ne sais pas quoi. This one is better. On dirait qu'il ne sait pas parler, il ne sait que crier. On dirait qu'il ne sait pas parler, il ne sait que crier. Now the opposite of crier, we have murmurer. This one is a little bit hard to pronounce. Murmurer. Murmurer. Once again. Murmurer. Murmurer. Okay? And we are going to murmurer quelque chose à quelqu'un. Murmurer quelque chose à quelqu'un. Elle a vu son mari murmurer quelque chose à une autre femme. Elle a vu son mari murmurer quelque chose à une autre femme. On murmure pour ne pas que les personnes autour de nous entendent. On murmure pour ne pas que les personnes autour de nous entendent. Murmurer. S'exprimer. S'exprimer is a reflexive verb. If you have trouble with them, I will link a video down in the description box. This one means to express oneself or to speak. So s'exprimer can mean to express oneself, but we can also use it to explain how someone is well articulate or not. Let's see. J'aimerais qu'il s'exprime plus, S, mais il est trop timide. J'aimerais qu'il s'exprime plus, mais il est trop timide. So that's for to express oneself. Now to speak.
Mon fils a commencé à s'exprimer clairement très tard. Mon fils a commencé à s'exprimer clairement très tard. Ok? So to express oneself, but also the way that we speak. Two more. We have bavarder. Bavarder to chat. Bavarder avec quelqu'un. Once again, it's like a conversation, so it's a two ways. Avec quelqu'un. Mon père aime bavarder avec tout le monde. Mon père aime bavarder avec tout le monde. Les directeurs ont bavardé pendant quelques minutes après la réunion. Les directeurs ont bavardé pendant quelques minutes après la réunion. The last one, we have causer. Causer is a very familiar verb. It means to chat, to speak. So I give you also a very familiar sentence we have. Quelle pipelette, what a chatterbox, elle n'arrête pas de causer. Quelle pipelette, elle n'arrête pas de causer. So here we could also replace it with parler. Elle n'arrête pas de parler. Parler is not more formal, but more everyday French we say, and then the very familiar way is going to be causer. Quelle pipelette, elle n'arrête pas de causer. That's it for this one. Like I said, this is the last long lesson before we start the vocabulary course next Wednesday. So don't forget to subscribe so you don't miss any of the videos coming up. And I will see you on Friday for a short video. À vendredi!